Est-ce que vous considérez comme un poète? J'ai dit non, et d'abord. Je ne crois pas avoir les qualités de ceux qu'on appelle généralement poètes. D'autre part, je ne tiens pas tellement à les avoir. Les recueils de poésie me donnent pas du tout envie de les lire et me donnent plutôt la nausée. Je déteste les fusions. Je trouve que les personnes qui s'expriment directement manquent de pudeur, manquent de réserve. Enfin, ça me répugne plutôt. Mais est-ce que vous considérez dans ce cas-là qu'un article d'un dictionnaire de botanique est un poème? Non pas, je ne dis pas non plus que mon texte en soit un, je vous prie de bien vouloir considérer cela. Je considère seulement que dans un dictionnaire encyclopédique quelconque ou technique, l'objet n'est pas rendu dans sa vérité sensible, en tout cas dans celle que, il ne correspond pas à la notion profonde que j'ai de lui, vous comprenez? C'est desséché, c'est abstrait au sens actif du mot, n'est-ce pas? C'est naturalisé, au mieux encore, quand ce n'est pas tout simplement une... On ne vous dit pas, par exemple, à propos d'un arbre, par exemple, qu'il est de la famille des ceci et des cela, et puis voilà, et ensuite vous allez au mot de la famille, et on vous dit famille de végétaux parmi lesquels vous trouvez l'arbre en question. Enfin, ça vous renvoie d'une définition à l'autre, et il n'y a absolument rien de sensible, vous comprenez? J'aimerais faire un dictionnaire sensible, c'est tout. J'ai essayé d'être aussi simple. Enfin, c'est comme si un professeur de première ou de seconde m'avait dit, voilà, faites une description de la pluie. C'est tout. J'essaie de décrire la pluie. Remarquez, c'est assez difficile, hein, ça. Ce sont des sujets difficiles de ce point de vue-là. Enfin, simplement d'écrire. Alors, comme bien entendu, je suis un homme, que malgré tout, j'ai un esprit, une mémoire, un cœur, une imagination. Il est probable que tout cela va se projeter sur ma description de la pluie. Mais j'ai fait, ma démarche est exactement le contraire. Enfin, j'essaye de partir de l'objet et d'être aussi objectif que possible. C'est-à-dire de ne pas faire intervenir mes sentiments. Ils interviennent sans doute ensuite, mais je n'y peux rien. Enfin, la révolution, s'il y a révolution... Je ne dis pas qu'il faille aller jusqu'à ces mots-là. C'est au lieu de faire servir la pluie, si vous voulez, à l'expression de mes sentiments, de décrire la pluie, et parce que je suis un homme, il est probable que les mêmes mots qui servent à décrire servent aussi à exprimer les émotions. N'est-ce pas ? L'homme n'a qu'un langage. Les mots, au moment où ils ont été formés même, par les premiers hommes, si vous voulez. Ils servaient à la fois, sans doute, à décrire ou à nommer, et aussi à exprimer leurs sentiments. C'est les mêmes. Je pense que ce sont les mêmes. Même si vous essayez d'arriver au plus proche, d'aller à l'exactitude en décrivant la pluie, vous arriverez à une espèce de profondeur de signification, enfin, je veux dire, de simplification, de réduction, puisque c'est un peu proche de la réduction phénoménologique, n'est-ce pas? Et qu'à ce moment-là, par une sorte de mutation tout à fait imprévisible et que je ne cherche en aucune façon, il se trouvera que vos mots installés, agencés, pour décrire au plus près et de la façon la plus froide possible la pluie, eh bien, ces mots agencés, comme vous les avez agencés pour cette expression réduite, n'est-ce pas, réduite au maximum, à la particularité, la différence de la chose, ces mots vont descendre à un niveau logique, atteindre une profondeur, si vous voulez, en même temps qu'une simplicité, qui fait qu'ils s'agencent avec leurs voisins, il fonctionne. N'est-ce pas? Il y a une espèce de mutation qui fait que les mots eux-mêmes, quand ce sont les plus exacts, fonctionnent et que le texte alors
obtient une acquiert une certaine réalité dans le monde des textes, c'est-à-dire qu'il fonctionne comme une horloge. Vous comprenez qu'il fonctionne comme une personne ou comme une machine. Il y a certains de vos textes qui sont courts et ramassés, et d'autres où au contraire des réflexions méthodologiques se mêlent avec ce que l'on pourrait appeler une pièce. Oui. Pourquoi en avez-vous éprouvé la nécessité ? Eh bien, j'ai toujours dans l'esprit, comme généralement je choisis des objets, surtout au début, des objets petits et, comment dirais-je, pas trop importants, de façon qu'ils ne me gênent pas trop, parce que je ne crois pas non plus être tellement, avoir un esprit tellement, enfin, bon, ça je ne sais pas le dire, que de pouvoir envisager des sujets formidable, mais donc je pense que ces petites choses, étant petites, je dois les décrire aussi dans leur vérité, dans la hiérarchie des choses, si vous voulez. Donc je fais des textes courts. Des textes courts, je vise toujours aux textes courts. Au début, je déchirais les brouillons. Et je me suis aperçu ensuite, probablement parce que je devenais de plus en plus difficile quant à, justement, de plus en plus scrupuleux. Je me suis aperçu que, d'une part, les textes courts auxquels j'aboutissais ne me plaisaient pas tant, d'autre part, qu'ils avaient un caractère de bibelot, enfin, qu'ils étaient, on avait finalement peut-être assez raison de les nommer des poèmes. Parce que, justement, ils tenaient dans la page, ils étaient c'était des objets poétiques. Or, je ne me veux en aucune façon, et je ne veux pas, être un fournisseur de poèmes. Ça, je m'en fiche éperdument, je ne veux pas le faire, vous comprenez. Alors, comme je pense toujours que l'objet que je décris est plus intéressant que ce que je peux fournir à son propos, je cherche à atteindre la réalité de l'objet, enfin la réalité, c'est une façon de parler, bien sûr, la réalité de mon impression de l'objet. Mais il me faut des brouillons, il me faut plusieurs tentatives. Et au lieu, finalement, de donner des textes courts, brefs, et qui ont l'apparence de choses terminées, de choses closes et données comme telles, je préfère parfois donner la relation de mon échec, c'est-à-dire c'est une suite de brouillons, tout à fait authentique, n'est-ce pas, parce que je donne vraiment tout ce que j'ai pensé à propos de l'objet, mais c'est daté tel jour, tel autre jour, tel le jour suivant, etc., mais chaque jour, moi, j'essaye d'arriver au texte. Bref. Le texte cesse d'être le but, mais est le chemin. C'est-à-dire que, pas le texte, mais le recueil des brouillons, et évidemment, une espèce de journal de mon travail sur cet objet. Le journal d'un poème que vous ne réussirez jamais. J'avais écrit sur l'eau déjà, vous avez su que j'avais écrit sur la pluie, j'avais écrit sur l'eau des larmes, j'avais écrit sur la Seine, le fleuve, j'avais écrit un texte qui s'appelle « Bord de mer », etc. Il fallait que je prenne le verre d'eau comme étant quelque chose de tout à fait différent de tout cela. Et ma première note l'exprime déjà, puisqu'elle est ainsi. D'une eau puisée non loin, cueillie tout près d'ici, robinet, c'est la quantité juste qu'on absorbe volontiers en une ou deux fois. Donc c'est une quantité d'eau, petite quantité d'eau, prise au robinet. Et du liquide le plus répandu dans la nature, le plus commun, inodore, incolore et sans saveur. Remarquez que tout cela était pour me plaire, puis c'est un sujet qui n'est pas pittoresque par lui-même, enfin si vous voulez, poétique par lui-même. La note suivante, c'est « désaltère les sobres ». Le verre, je reviens tout de suite à l'idée de verre, et non pas à l'idée d'eau. Mesure de la capacité des sobres. C'est une capacité pure au
sens étymologique du mot capacité. Mais j'ai eu éprouvé immédiatement le besoin d'aller au littré, savoir ce que c'était exactement que la capacité. Alors il y a un très long passage dans le texte, puisque ceci est écrit exactement comme je travaille, comme je pense, n'est-ce pas? Ce sont les notes, exactement les notes prises pour le verre d'eau qui ont fait le livre. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc vous avez pris le litré, vous l'avez feuilleté et vous avez recopié les passages, oui, qui parce vous que semblaient. J'avais besoin d'avoir le matériel. Je n'ai pas une mémoire suffisante pour me souvenir exactement de tout. Et au litré même, dans le litré, j'ai trouvé des choses merveilleuses, enfin des choses tout à fait agréables, plaisantes, aussi significatives de profondeur. Étymologie, provençale capacitat, de capacitatem, de capax, qui contient de capere, prendre. Parce que la racine première, avant de comprendre, c'est prendre, capere, n'est-ce pas? Et, voyez, capture. Tout de suite après, j'écris, c'est de l'association d'idées, je ne vois plus rien à capter au litré. Vous comprenez? Vous voyez ce qu'il y a là? Je suis dans je suis à l'intérieur même, mes réflexions, je les exprime, et à partir même de la racine capere, capacitat, etc. Je ne vois plus rien à capter au litré. Ah, ceci encore, captieux, qui tente à surprendre et à conduire à un sens trompeur. Hein, capture, qui vous prend, c'est quelque chose de captieux. Ainsi vais-je pouvoir dire, cette petite capacité n'est alors, quand elle est pleine d'eau, pas captieuse, elle ne contient aucun liquide captieux, puisqu'elle ne vous conduit pas à un sens trompeur, comme le vin ou l'alcool vous conduit évidemment à des illusions, à des hallucinations, vous comprenez, voilà. Timbal, donné timbalier. Alors, tout de suite une note de moi, je suis le timbalier du verre d'eau. Je tape un peu dessus pour lui faire donner sa note, d'une façon un peu têtue et fastidieuse, comme font les enfants quand ils ont une fois trouvé ça. Quand les enfants ont trouvé un bruit, ben allez, ils recommencent. Voyez-vous, et alors je signifie aussi, je critique moi-même mon texte, n'est-ce pas, en disant, je suis le tabalier, je tape un peu dessus pour lui faire donner sa note, et une fois que je l'ai trouvé, ben je recommence, je fais ça de façon un peu têtue et fastidieuse, etc., comme, un peu comme un enfant, un peu maniaque, comme ça. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est ça intéresse, enfin, c'est absolument vrai. Ce sont des associations qui me viennent au fur et à mesure et qui, comment dirais-je, rendent le son de l'authenticité. Vous comprenez, je peux dire ça. Je trouve un sens assez là. Le verre, matière est de nature amorphe, dure et fragile. C'est le symbole de la fragilité. Eh bien, j'ajoute, j'aime assez dur et fragile. Parce qu'en général, dur, ce n'est pas fragile, vous comprenez? Et que quand on arrive à raccorder les deux choses, les deux qualités, dur et fragile, on a abouti à quelque chose. Pourquoi? Parce que c'est un caractère, comme un caractère de héros de roman, comme le caractère d'une personne, vous comprenez? C'est quelque chose de complexe. Il ne suffit pas de dire que c'est dur, il faut dire aussi que c'est fragile. Et ça, c'est nouveau. Une dureté fragile, c'est vraiment le verre. Vous comprenez ça? Ça, c'est, je crois que c'est intéressant. Et c'est aussi valable sur le plan du caractère, des qualités des gens. Quand je dis que si je vais au fond des qualités des choses, je permets à l'homme d'augmenter le nombre de ses qualités. Vous comprenez? Parce que c'est pour ça, c'est parce que le complexe de qualité, la composition de qualité qu'il y a dans les objets, même les plus simples et les plus inanimés, si on va à la chose juste, l'auteur de dictionnaire qui a trouvé ça dur et fragile, n'est-ce pas, qui a exprimé bien, de façon courte, eh bien il a fait quelque chose de très important, parce que justement il s'appliquait au verre. Il savait qu'il voulait le définir. Il l'a bien défini, là. Vous comprenez? Et il a fait quelque chose. Maintenant, un homme pourra être à la fois dur et fragile. Vous comprenez ce que je voulais dire?
C'est-à-dire qu'on offre des possibilités de caractère, de sentiment. Vous comprenez? Avant, on disait de quelqu'un, il a le cœur comme une pierre. Ça voulait dire dur. Et c'est parce qu'on se bornait à la qualité de la dureté quant à la pierre. Mais si on va à la pierre, et si on cherche les autres qualités que la pierre a, en plus de la dureté, vous comprenez? On ne pourra plus dire, comme un lieu commun, elle a un cœur de pierre. Vous comprenez? Parce que si on arrive à changer l'idée de la pierre dans l'esprit de l'homme, c'est-à-dire qu'elle n'est pas seulement dure, mais bien autre chose, on aura changé tout, la morale aussi. Vous comprenez? Si les diamants sont dits d'une belle eau, de quelle eau donc dire l'eau de mon verre? Comment qualifier cette fleur sans pareille? Potable. Vous comprenez comment je détruis le côté topoétique. La différence entre l'eau du diamant et l'eau de mon verre, c'est que l'eau de mon verre est potable. Alors, je tourne autour de ça. Et c'est ça que vous pensez qui pourrait me satisfaire? Pas du tout. Je me laisse aller à cette espèce de ronron. Si les diamants sont dits d'une belle eau, de quelle eau donc dire l'eau de mon verre? Si de belle eau sont dits certains diamants. Moins précieuse, non, je ne puis trop le dire, ni plus simple non plus, mais plus courante, oui. Mais d'usage plus libre et potable à mon goût. Plus ou moins précieuse, on ne saurait le dire. Mais plus courante, oui, et potable à mon goût. Moins chère en quelque sens, mais plus chère en quelque autre. Moins cher à acquérir, plus facile à avoir, plus facile à cueillir à quelques robinets, plus cher d'être libre à tous les robinets. Quand je dis libre, on était encore à l'époque des restrictions. L'eau était en vente libre, elle a toujours été en vente libre. Enfin, les gens qui ont vécu les périodes de l'occupation et de restriction savent ce que ça veut dire, la vente libre. On n'avait pas besoin de ticket. La pureté court les rues, grimpe à tous les étages et se dispense sur tous les éviers. En vente libre à tous les robinets. Ô pureté, tu n'es donc pas si rare. Tu cours les rues, grimpe à tous les étages, te dispense sur tous les éviers. Et l'on te cueille à tous les robinets. Perfection, ainsi tu cours les rues, ainsi tu t'offres sur tous les biais. Comment qualifier perfection pareille? La pureté ainsi court dans toutes les conduites étroites, avant d'être souillée et d'aller aux égouts. Je trouve un peu plus loin. Pureté, l'eau de l'avenir, court dans les conduites étroites. La voici à présent dans mon verre. Seul le présent a bel œil, l'œil du verre. Mais celle du passé roule souillée dans les larges égouts. Lorsqu'elle entraîne des souillures, il lui faut évidemment de larges égouts. Évidemment, tout cela a une valeur symbolique, si on veut, mais voyez que je ne l'ai trouvé qu'à partir de l'eau. Je n'ai pas voulu parler de la pureté ni de la saleté. Mais il se trouve que l'eau pure arrive par des conduites étroites et qu'ensuite, quand elle est souillée, il lui faut de larges égouts. Et que la pureté, en réalité, court les rues, grimpe à tous les étages, que Paris n'est pas une saleté, que, n'est-ce pas comme tous les gens qui déblatèrent sur... Il y a aussi, vous comprenez, tout ça, je ne l'ai pas cherché, je veux dire, je l'ai tout simplement à partir de l'eau, je l'ai trouvé. Vous comprenez, ce n'est pas du tout une volonté de poème, c'est pour être juste avec l'eau qu'on cueille au robinet et qui arrive par ses conduites étroites. Et cette série de tentatives, cette série de visées, s'échelonne dans le temps. Et comment se produit cet échelonnement? Est-ce que chaque fois, chaque jour ou chaque semaine, est-ce que vous reprenez tout sur des bases nouvelles ou est-ce que chaque fois vous reprenez sur le texte déjà écrit?
Est-ce que vous continuez ou est-ce que vous reprenez? Non, quelqu'un a dit, et c'est assez juste, que je procédais un peu comme les sculpteurs qui, quand ils ont fini de travailler un jour sur une figure, mouillent une serviette en drap, vous savez, et le posent sur la glaise, enfin les, plutôt les modeleurs que les sculpteurs, de façon que ça reste mou et que le lendemain ils reviennent. Alors, le critique qui parlait de moi disait, les textes de ce genre de Ponge évoquent le sculpteur, un sculpteur qui agissant de cette façon, c'est-à-dire revenant le lendemain sur le sujet, au lieu d'attaquer un détail, rentrerait dans, dans l'ensemble, au cœur du sujet. C'est généralement vrai, en effet, parce que, pas tellement pour ce texte, mais pour d'autres, j'ai toujours, quand je reviens, j'espère arriver au texte juste, chaque jour. Et je crois que ma seule vertu est peut-être de refermer le dossier et de m'en aller quand je ne suis plus dans le sujet. N'est-ce pas, vous comprenez, quand je dévie, Je crois que je n'arriverai pas à la télévision, dans notre film, à donner une idée exhaustive de ce livre, évidemment. Puis le livre est fait pour être lu, pour être feuilleté, pour être laissé, repris, etc. Et on ne peut pas refaire le livre entièrement à la télévision. Ce qui m'inquiète un peu, c'est que jusqu'à présent, nous sommes restés au début du livre, et aussi que c'est plutôt, ça peut paraître superficiel, plaisant seulement, etc. Alors qu'à un certain moment, après beaucoup de passages qui sont également intéressants, significatifs peut-être, en tout cas ils l'ont été pour moi, j'arrive à un moment où il me semble être arrivé à la qualité différentielle du verre d'eau. Je ne dis bien pas ni du verre lui-même, ni de l'eau elle-même, mais du verre d'eau. Un verre d'eau, ainsi soit-il. On voit le défaut de ce genre de prière. Nous nous référons instinctivement à la nature supposée connue. Et certes, la nature nous est redonnée sempiternellement, dérisoirement, chaque matin. Mais qu'elle n'existe pas, du moins pas encore, alors tout s'écroule. Or, pourtant, d'être, elle n'existe pas. Les Martiens, par exemple, connaissent-ils la fenêtre, le sourire, la poignée de main? Ceux de plus loin connaissent-ils le soleil? Pouvons-nous souhaiter qu'ils le connaissent? Ainsi n'avons-nous fait que renommer notre nature. Il s'agit d'une tautologie. Or, il s'agit de bien autre chose. Il s'agit du plaisir du verre d'eau que nous voudrions faire connaître aux Martiens, à vous-même. Et qui ne dépend pas tellement peut-être du verre d'eau. Si, il dépend du verre d'eau. C'est le verre d'eau ex nihilo. Toutes choses par ailleurs restant ce qu'elles sont dans leur monde, c'est notre seul verre d'eau que nous voulons faire entrevoir aux Martiens, à vous-même. Je ne dis pas que nous allons y parvenir, que nous pouvons y parvenir, mais nous allons y prétendre. Nous pouvons y prétendre. Il s'agit d'un changement de perspective ou de méthode. Cela peut suffire pour qu'à l'intérieur de notre nature, de notre monde, certaines choses soient éclairées qui ne l'avaient pas encore été. C'est ainsi demander le plus pour obtenir le moins. Le moins, mais quelque chose. Il va falloir que je tape cela, tel quel, à la machine, ce que j'ai écrit depuis ce matin, à grands interlignes, de façon à y voir clair. Voir aussi s'il est intéressant de conserver ce mouvement, noter le rythme, ou plutôt l'allure, la cadence. J'aimerais qu'une heure sonne, tandis que j'écris, puisque j'ai noté l'heure quand j'ai pris le départ, afin de déterminer ma vitesse horaire. 10 heures ne vont-elles pas bientôt sonner? Je vais voir. Vais-je voir? N'ai-je pas au cours de ce galop d'autres pensées encore à attendre, ici dans mon fauteuil, que je risque de perdre si je quitte cet endroit pour descendre voir l'heure à la salle à manger? Certes, il ne faut pas forcer son talent, d'accord, mais il peut importer de rester à sa disposition, même en se forçant un peu, je veux dire en se forçant à rester là, à attendre, quand on sent que quelque chose encore peut venir. Les coqs chantent, le soleil lui plus jaune. Un léger brouillard bleu marine commence à monter de la vallée de la Vègre.
C'est la conséquence de la montée du soleil qui, plus chaud, provoque une évaporation plus intense, pas la même que le brouillard du petit matin. Le bleu de la présente buée est plus sensible comme bleu à cause des surfaces voisines éclairées plus jaunes par le soleil plus haut. Tout cela n'a aucun rapport avec mon sujet. C'est parce que j'attends, c'est pendant que j'attends, pour ne pas perdre le courant, l'élan acquis de la plume, l'allure du pourchat. Cela pourra d'ailleurs servir à autre chose. Le chant des coqs colore d'ailleurs, de couleurs vives, franchement appliquées, du jaune au rouge, le paysage en question. Les coqs du ver d'eau. Il y a quelques bruits humains, volés, pas, cris d'enfants et quelques cornes d'auto. Rôle du sonore dans le panoramique. Un certain silence profond, avec bruit et cris raréfiés au premier plan. Ah, voilà les 10 heures maintenant qui sonnent, je m'arrête. Je vais essayer, après avoir roulé une cigarette, et dans un tout autre esprit, une sorte d'esprit administratif, de réaliser ou préparer l'intégration des notes précédentes au plan ci-dessus et à ce que je viens d'écrire jusqu'aux dernières lignes et lettres que voici. Armand se lève, j'entends les premiers bruits de volée dans notre maison. Allons y voir, allons l'embrasser. Cahier posé, plume posée. Nom de Dieu, je ne ferai qu'un verre d'eau qui me plaise. La matière est la seule providence de l'esprit. Il me semble que c'est clair, transparent, limpide, contenant comme contenu, que l'allégorie habite ici un palais diaphane. Eh bien, tenez-vous-le pour dit, ainsi soit-il. Bu, à votre santé. Ah, un verre d'eau est une petite chose. Vous trouvez? Eh bien, nous allons voir. Bien sûr que c'est une petite chose et pas la mer à boire. Et pourtant, il fut plus puissant, plus brutal et décisif un jour que la hache du grand ferré. Hein? Qu'est-ce que vous en dites? Je pense que vous allez vous le tenir pour dit, que vous n'allez pas l'oublier, et que chaque fois que vous apercevrez un verre d'eau, vous frissonnerez légèrement, vous souvenant de la petite brutalité ci-dessus. Ceci posé, nous allons pouvoir nous amuser à notre aise des qualités délicates et précieuses du verre d'eau. Ce genre de censeur ne nous cassera plus les pieds. Les pieds du verre à pied, naturellement. Un pareil buteur, un pareil brutal, faiseur de mauvais calembours, de pareilles turlupinades, osez nous parler de délicatesse. Pourtant, mes chers amis, un instant d'attention. Écoutez seulement ceci. Si les diamants sont dits d'une belle eau, de quelle eau donc dire l'eau de mon verre? Ici, placez la suite. Potable. Potable, dites-vous, ce n'est pas si simple non plus. Et la suite. Et, in fine, le verre d'eau. Il me semble que c'est clair, transparent, limpide, contenant comme contenu. L'allégorie ici habite un palais diaphane. Ça va? Vie, va, vu? C'est lu? Li, la, lu? C'est bi? C'est bas? C'est bu? Fin du verre d'eau. Quelle est la raison profonde pour laquelle vous avez proposé cette découverte des choses? Oui, pour laquelle j'ai écrit, alors ça c'est probablement assez complexe et je ne saurais pas le définir moi-même. C'est peut-être parce que rien ne m'intéressait d'autre, enfin que je ne voyais pas quelle autre activité je pouvais avoir. C'est aussi parce que, comme j'ai fait des études, eh bien les héros littéraires ou artistiques étaient pour moi des exemples, alors que les héros militaires ou politiques ou Dieu sait quoi ne l'étaient pas. Enfin, ça ne m'intéressait pas. C'est évidemment pour arriver à une certaine situation, à un certain pouvoir. Vous comprenez? Et que je pense que le pouvoir qu'obtient, enfin le pouvoir de la parole, et de celui qui sait, non pas comme un orateur, mais comme quelqu'un qui écrit des textes qui sont faits aussi bien pour être lus que pour être écoutés, pour être relus plusieurs fois. Je pense que les signes ont une grosse importance, qu'on en tire tout ce qu'on veut en tirer, et je n'étais pas d'accord sur l'usage qu'on faisait des mots. Il me semble qu'il était bon de placer les mots ailleurs que dans l'idéologie, par exemple.
Et c'est pour ça que je l'ai confronté aux choses. Vous comprenez ce que je veux dire? Pour les laver un peu des usages, de l'usage qu'on avait fait d'eux. Et retrouver une certaine ressource première des mots. Vous comprenez? Il me semble que le fait, la révolte contre l'état de choses est entrée pour beaucoup, à ma volonté, de placer les mots dans une situation qui soit autre chose que la propagande, l'idéologie, voire la philosophie. On a dit de vous que, à travers les choses, le moindre objet sur lequel vous faites un texte, vous montrez l'ensemble du monde. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, je n'en sais rien. Je n'ai pas du tout cette prétention. Puisque je vous dis au contraire que je voulais donner la différence de la chose, si vous voulez, sa qualité différentielle, le fait qu'elle n'est pas autre chose. J'ai beaucoup dit, par exemple, qu'à partir du moment où j'employais une métaphore, c'est, par exemple, si je dis qu'un rosier en fleur ressemble à un coq de combat, si vous voulez, pourquoi? Évidemment, il y a une analogie, c'est ce qu'on appelle l'analogie, n'est-ce pas? Parce qu'il y a de la couleur, il y a des ergots aussi, des épines, etc. Il y a le côté batailleur. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ça, ça suffit aux poètes en général, vous comprenez? Ils sont très contents. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la différence qu'il y a entre le rosier et le coq. Vous comprenez? Ce n'est pas tellement leur analogie. Il est souvent... Pour atteindre la qualité différentielle, il faut commencer par l'analogie, rapprocher, pour pouvoir ensuite dire, voilà, ce n'est pas un coq de combat. Vous comprenez? Au lieu de dire, c'est comme un coq de combat, on dira, non, ce n'est pas un coq de combat s'il s'agit du rosier. Et du coq de combat, on dira, c'est presque comme un rosier, mais ce n'est pas. C'est-à-dire que les métaphores sont détruites. Elles sont conçues, parce que on essaye d'arriver au plus près, mais c'est la différence qui compte. Et c'est ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela, et peut-être qu'au milieu on trouvera l'objet. Vous comprenez, le vide entre les métaphores. Dans les négatifs. Probablement, enfin, c'est-à-dire en refusant les métaphores pour ce qu'elles ne sont pas suffisantes. Ce qui intéressait les surréalistes, c'était seulement la rencontre des choses différentes. Vous comprenez? Moi, pas du tout, parce que j'essaye de donner la qualité différentielle. C'est pas du tout le jeu d'image ou le fait que l'étrangeté de l'image, non du tout. C'est un moyen, tout simplement, d'approcher de la différence, et de l'essence, par conséquent. Et non pas de l'essence au sens métaphysique, naturellement, c'est-à-dire de la qualité différentielle du signe. Vous comprenez ce que je veux dire? J'ai le sentiment d'une épaisseur, d'une réalité des signes, si vous voulez. Aussi bien le monde extérieur, qui est signe aussi, et la parole qui est signe au second degré, si vous voulez. J'ai non seulement la certitude de leur valeur comme communication, mais aussi leur valeur comme substance, si vous voulez. Il y a un côté palpable des signes, comme dit Jacobson, par exemple, n'est-ce pas, le linguiste. Et je crois que la poésie se situe à ce moment-là, n'est-ce pas, à ce niveau-là, au côté où les signes sont palpables. Vous comprenez? Voilà. C'est là, c'est quand il y a une valeur sensible, substantielle. Mais un signe ne vaut jamais en tant que signe par lui-même, un signe vaut par rapport à d'autres signes. Oui, bien sûr, il est agencé pour former un système de signes. Mais chaque signe a une valeur. Chaque objet, je me rappelle Picasso par exemple, me disant, vous, vos mots, c'est comme de petites statuettes ou des pions, des choses du jeu d'échecs, n'est-ce pas? Ils ont trois dimensions. Et ils réagissent les uns sur les autres, n'est-ce pas? On peut les faire tourner, etc. Et Picasso n'est pas un critique littéraire. On a beaucoup écrit sur moi, et même plus que des critiques, des philosophes. Eh bien, Picasso, en une petite formule, m'a dit quelque chose de beaucoup plus important et de beaucoup plus juste, à mon point de vue, que tout ce qu'on a pu écrire comme exégèse de mes textes. Parce qu'il était sensible à cela. Mais si l'on considère votre texte comme un échiquier dont les mots sont les pions, à chaque texte, vous devez avoir envie de donner un autre mode d'emploi, une autre règle du jeu.
Oui, mais ça m'est donné par le sujet lui-même, n'est-ce pas? C'est ce que j'ai exprimé parfois en disant que je croyais nécessaire de redonner vigueur à la rhétorique, c'est-à-dire la manière de convaincre, si vous voulez. Mais que cette rhétorique devait changer avec chaque objet. L'objet donne la forme et la rhétorique du texte. Quand vous avez écrit l'araignée, vous avez voulu tisser une toile. Je l'ai fait instinctivement, ça se fait. Si on est sensible, on le fait instinctivement. On ne va pas chercher à faire ceci ou chercher à faire cela. C'est-à-dire qu'on refuse. On se refuse à soi-même tout ce qui n'entre pas dans la. Enfin, qui ne ressemble pas assez, vous comprenez, à l'objet dont on parle. On refuse instinctivement. Le goût consiste à refuser plutôt qu'à chercher et à choisir. Il s'agit de refuser, d'être obstiné, de ne pas, quand ça ne marche pas, eh bien, il faut supprimer, il faut chercher autre chose. Je crois que le travail est d'ailleurs fait à la fois de travail et de non-travail. C'est-à-dire qu'au moment où on ressent les objets de la façon la plus, ou les choses de la façon la plus forte, ce n'est pas du tout au moment où on travaille, et même au moment où on les regarde à proprement parler. C'est ensuite dans la mémoire que se forme une notion de l'objet. N'est-ce pas? Et c'est à partir de cette notion alors que je travaille. C'est-à-dire d'une idée complexe de l'objet, à la fois complexe et simple. C'est le travail de la mémoire qui a effectué ça sur la sédimentation d'impression. Et en général, sur combien de temps s'effectue cette Ah, il sédimentation? n'y a pas d'en général. Ça vient de l'enfance, enfin, il n'y a pas de doute. Le prêt. Il s'agit d'un texte tout récent. Que parfois la nature, à notre réveil, nous propose ce à quoi justement nous étions disposés, la louange aussitôt s'enfle dans notre gorge, nous croyons être au paradis. Voilà comme il en fut du prêt que je veux dire, qui fera mon propos d'aujourd'hui. Parce qu'il s'y agit plus d'une façon d'être que d'un plat à nos yeux servi, la parole y convient. Plutôt que la peinture, qui n'y suffirait nullement. Prendre un tube de verre, l'étaler sur la page, ce n'est pas faire un prêt. Ils naissent autrement. Ils sourdent de la page, et encore faut-il que ce soit page brune. La terre, évidemment. Préparons donc la page où puisse aujourd'hui naître une vérité qui soit verte. Parfois donc, ou mettons aussi bien par endroit, catégorie du temps, catégorie de l'espace, parfois notre nature, j'entends dire d'un mot la nature sur notre planète, est ce que chaque jour à notre réveil nous sommes, notre nature. Parfois notre nature nous a préparés. Un prêt nous a préparé à un prêt. Mais qu'est-ce qui obstrue ainsi notre chemin? Vous aurez remarqué que le paragraphe précédent, la strophe précédente, au contraire de la première, est embarrassée. Il y a des redites, pas des redites, mais des parenthèses, des tirets, etc. Qu'est-ce donc qui obstrue ainsi notre chemin? Dans ce petit sous-bois, mi-ombre, mi-soleil, qui nous met ces bâtons dans les roues? Pourquoi, dès notre issue en surplomb sur la page, dans ce seul paragraphe, tous ces scrupules? Vous savez que scrupules, enfin l'étymologie du mot, au départ, ce sont des cailloux, des rochers. Et en effet, dans ce petit sous-bois dans lequel nous étions, ma femme et moi, avant de déboucher sur le pré, on était sous bois, et dans ce sous-bois, il y avait des arbres abattus, il y avait comme des bâtons dans les roues, et il y avait aussi des rochers. Pourquoi donc, vu d'ici, c'est-à-dire en surplomb, la page et le pré sont confondus, encore une fois. Pourquoi donc, vu d'ici, ce fragment limité d'espace? Tiré à quatre rochers
ou à quatre haies d'aubépine. Guère plus grand qu'un mouchoir. Moraine des forêts. Pourquoi moraine des forêts? Eh bien parce que l'herbe me paraît être, aux grands arbres, quelque chose comme les petits cailloux des moraines sont aux rochers, aux rochers de la montagne. Moraine des forêts. Ondée de signes adverses, c'est-à-dire que l'ondée tombe et le bré monte. Et de l'orage initial, suite douce. L'orage initial, il faut que je l'explique peut-être. Il s'agit de la vision cosmogonique, selon laquelle la Terre, fragment du Soleil, n'est-ce pas encore toute chaude et plus que chaude, incandescente, elle se refroidit lentement, il se produit des évaporations, etc. L'orage monte, la pluie tombe, et elle tombe sur une terre brûlante. Immédiatement, tout se réévapore, puis orage, puis ça redescend. C'est un orage perpétuel, c'est l'orage initial. Et de l'orage initial, suite douce, donc, ce prêt, en appel ou réponse anonyme, unanime à la pluie. Pourquoi, donc, vu d'ici, ce prêt nous semble-t-il plus précieux soudain que le plus mince des tapis perçants? Fragile, mais non frangible, là, c'est peut-être un peu pédant. Fragile, ça veut dire frangible, ça veut dire qu'il peut être cassé en morceaux. Alors le pré est fragile, comme un tapis, il n'est pas, on ne peut pas le casser. Fragile, mais non frangible, la terre végétale y reprend parfois le dessus, ou les petits sabots du poulain qui galopa le marquèrent, ou le piétinement vers l'abreuvoir des bestiaux qui lentement s'y précipitèrent. Tandis qu'une longue théorie de promeneurs endimanchés, sans y salir du tout leurs souliers blancs, y procède au long du petit torrent grossi par l'orage, de noyade ou de perdition, le petit torrent de noyade ou de perdition. Pourquoi donc, dès l'abord, nous tient-il interdit? Le fait est là, et j'ai été, après de très longs travaux, d'approche, enfin, de ce texte, un gros dossier, j'ai commencé à être sûr que j'y étais, quand j'ai retrouvé la situation, le paysage exact dans lequel j'avais eu l'émotion du pré. Nous étions arrivés en voiture avec ma femme par la route et nous traversions ce petit bois pour plutôt nous sommes reposés un instant, puis nous sommes avancés à travers les arbres et les rochers et nous avons vu ce pré. En bas, nous étions en surplomb. Eh bien, dans toutes mes premières notes, pendant des mois, et même des années, je traitais du pré, etc. Mais je n'avais pas eu l'occasion de retrouver l'histoire vraie, n'est-ce pas, le fait que nous arrivions par en haut, par un petit bois. À partir du moment où je suis arrivé à décrire le paysage à travers lequel j'avais eu l'émotion du pré, j'ai su que j'étais dans la vérité. Pourquoi donc, nous semble-t-il si précieux, pourquoi nous tient-il interdit? Serions-nous donc déjà parvenus au naos? Naos, c'est un mot difficile, mais enfin, c'est le... Vous savez sans doute ce que c'est que le pronaos. Le naos, c'est en grec, c'est le saint des saints, c'est le lieu où les prêtres seuls peuvent accéder, au milieu du temple.
Serions-nous donc déjà parvenus au Naos, enfin au lieu sacré d'un petit déjeuner de raison? Les raisons, n'est-ce pas? Un petit déjeuner de raison, c'est-à-dire qu'il y a à la fois là l'évocation le rappel du déjeuner sur l'herbe, naturellement, et puis le déjeuner, c'est le fait du sacrifice, n'est-ce pas? Vous comprenez? Je ne sais pas si ça se comprend. Un déjeuner de raison, c'est un sacrifice de raison. Nous déjeunons de raison, c'est-à-dire nous les mangeons, nous les sacrifions. Nous voici en tout cas au cœur des pléonasmes et au seul niveau logique qui nous convient. Ici tourne déjà le moulin à prière, sans la moindre idée de prosternation d'ailleurs, car elle serait contraire aux verticalités de l'endroit. Il faut que j'explique un peu ici que nous nous trouvons en effet au Naos, n'est-ce pas, au sein des saints. C'est-à-dire à l'endroit où les prêtres seuls font tourner le moulin à prière. Et pourquoi parlais-je du moulin à prière? Parce que je suis au cœur également de la racine de radical védique sanskrit, n'est-ce pas? C'est-à-dire, est à la fois prêt, mais je lis la suite. Cras de paratus, selon les étymologistes latins. Près de la roche et du rue. Prête à faucher ou à paître. Préparé pour nous par la nature. Le prêt, gisant ici, comme le participe passé par excellence, s'y révère aussi bien comme notre préfixe des préfixes, préfixe déjà dans préfixe, présent déjà dans présent. Je commente. Le pré gisant ici comme le participe passé par excellence. Paratus, préparé, n'est-ce pas? Ce qui est préparé pour l'homme par la nature. L'homme sauvage était dans les bois, dans les cavernes, dans les rochers. Le pré est le lieu vraiment de repos, le lieu un peu où on est un peu à l'aise, etc. C'est vraiment l'origine étymologique du mot. Donc c'est le participe passé, ce qui a été préparé, n'est-ce pas? Nous sommes au participe passé. Mais il s'y redresse, il s'y révère, il y a le sens d'adoration, puisque nous sommes au temple, mais il y a aussi là, il s'y redresse, il s'y relève, comme on dit, le blé qui lève, comme notre préfixe des préfixes. Ici, c'est la catégorie de l'avenir. Pré, c'est un préfixe. Et c'est le préfixe des préfixes, on ne peut pas y échapper, n'est-ce pas? On est dans ce qui prépare le futur, etc., l'avenir. Donc, c'est le participe passé et à la fois c'est l'avenir. Préfixe déjà dans préfixe, présent déjà dans présent. Pas moyen de sortir de nos onomatopées originelles. Nous sommes là, comme j'ai dit, au seul niveau logique qui nous convient. C'est-à-dire que nous sommes là au fond du mot, n'est-ce pas, à l'endroit où nous avons, c'est peut-être le moment où on a voulu pour la première fois parler d'un prêt ou de c'est quoi, mais on a été obligé de préparer, tout ça c'est la même origine, c'est le même radical sanskrit. Pas moyen de sortir de nos onomatopées originelles, il faut donc y rentrer. Ça, c'est mon côté positif. Pas de recherche de l'absolu, pas de poème, comment dit-on, il y a un roman de Balzac, enfin de tableau ou chef-d'œuvre inconnu. Nous devons rentrer, puisque nous ne pouvons pas sortir.
Nul besoin d'ailleurs d'en sortir. Leur variation, celle de ces onomatopées, celle que nous venons de voir, de la variation du radical, n'est-ce pas, qui devient ceci et cela, leur variation suffisant bien à rendre compte de la merveilleusement fastidieuse monotonie et variété du monde. Enfin, de sa perpétuité. Encore faut-il les prononcer, parler, et peut-être paraboler. Vous savez que c'est le même mot. Toutes les dire. C'est la justification de la parole. Il faut parler. Ici doit intervenir un long passage. Alors c'est dans le poème, n'est-ce pas? Mais brusquement ça devient de la prose. Ici doit intervenir un long passage où, dans la manière un peu de l'interminable séquence de clavecin solo du 5e concerto brandebourgeois, c'est-à-dire de façon fastidieuse et mécanique, mais mécanisante à la fois, non tellement de la musique que de la logique, raisonneuse, du bout des lèvres, non de la poitrine ou du cœur, je tâcherai d'expliquer, je dis bien expliquer, deux ou trois choses. Et d'abord, que si le pré, dans notre langue, représente donc une des plus importantes et primordiales notions logiques qui soient, comme je viens de le démontrer, il en est de même sur le plan physique, géophysique, car il s'agit en vérité d'une métamorphose de l'eau, laquelle, au lieu de s'évaporer directement à l'appel du feu, en nuages, appel du soleil, choisit ici, se liant à la terre et en passant par elle, c'est-à-dire par les restes pétris du passé des trois règnes, et en particulier par les granulations les plus fines du minéral, réimprégnant en somme le cendrier universel, de donner renaissance à la vie sous sa forme la plus élémentaire, l'herbe. Élémentarité, alimentarité. Vous savez que c'est par le végétal que nous pouvons assimiler les sels minéraux, n'est-ce pas, que notre organisme ne serait pas capable d'assimiler directement, mais les végétaux ont la propriété d'assimiler directement les minéraux, et c'est à travers les végétaux ou à travers les animaux qui ont déjà avalé du végétal que nous pouvons assimiler les sels minéraux. Donc l'herbe est vraiment l'élément essentiel de l'alimentation. C'est à la fois élémentarité, comme je viens de le dire par rapport au végétal, et c'est alimentarité. Ce chapitre, donc, qui doit venir là, qui sera aussi celui de la musique des prés, sonnera de façon grêle et minutieuse, avec une quantité d'appoggiature, pour s'achever, s'il s'achève, en accelerando et rinforzando à la fois, jusqu'à une sorte de roulement de tonnerre où nous nous réfugierons dans les bois. Mais la perfection de ce passage pourrait me demander quelques années encore. Quoi qu'il en soit. Alors, je dois peut-être expliquer à propos de ce passage de la musique des prés qu'il y a là quelque chose qui rejoint d'une façon bizarre à la fois, vous voyez le clavecin solo le passage, la séquence en clavecin solo du 5e concerto brandebourgeois, c'est du clavecin. Or, il y a un poème de Rimbaud où il est dit le clavecin des prés. D'autre part, où Rimbaud, pour parler des prés, dit le clavecin des prés, sans doute parce que le pré sonne en effet d'une façon grêle et minutieuse par rapport aux arbres ou je ne sais quoi. D'autre part, il y a le fameux musicien qui s'appelle Josquin des Prés. Enfin, il est évident qu'il y a quelque chose dans la musique des Prés. Enfin, que la musique des Prés, ça ne signifie pas rien. Enfin, tout ça est là-dedans.
façon plus ou moins volontaire. Donc la perfection de ce passage pourrait me demander quelques années encore. Quoi qu'il en soit, une ligne de points, l'orage originel a longuement parlé. Parce que je dis que cette séquence doit être mécanique, un peu comme le clavecin, mais s'achever en accélérando et rinforzando jusqu'à une espèce de roulement de tonnerre où nous nous réfugions dans les bois. L'orage originel a longuement parlé. L'orage originel n'aura-t-il donc en nous si longuement grondé, seulement pour qu'enfin, car il s'éloigne, n'occupant plus que partiellement l'horizon bas où il fulgure encore. Seulement pour qu'enfin, parant au plus urgent, allant au plus pressé, nous sortions de ces bois, passions entre ces arbres et nos derniers scrupules, et quittant tout portique et toute colonnade, transportés tout à coup par une sorte d'enthousiasme paisible en faveur d'une vérité aujourd'hui qui soit verte, nous nous trouvions bientôt alités. Nous nous trouvions bientôt alités de tout notre long sur ce pré, dès longtemps préparé pour nous par la nature, ou n'avoir plus égard qu'au ciel bleu. L'oiseau qui le survole en sens inverse de l'écriture, ici je commente. Nous sommes donc alités sur le pré, couchés sur le dos, n'ayant plus égard qu'au ciel bleu. Un oiseau passe. Mais cet oiseau, c'est évidemment ici, en sens inverse de l'écriture, on écrit de gauche à droite, et quand on place l'accent aigu sur le mot « près », eh bien, on trace en sens inverse de l'écriture, n'est-ce pas ? L'oiseau qui le survole en sens inverse de l'écriture nous réveille au concret. Et sa contradiction, la contradiction c'est le fait de parler en sens contraire, et sa contradiction, accentuant du près la note différentielle, quant à-t-elle près ou près et auprès de prairie, sonne brève et aiguë comme une déchirure dans le ciel trop serein des significations. C'est qu'aussi bien, le lieu de la longue palabre peut devenir celui de la décision. Le lieu de la longue palabre, c'est, je viens de parler longuement, le lieu de la longue palabre, c'est aussi le prêt au clair. Vous savez qu'au Moyen-Âge, les étudiants sont rassemblés au prêt au clair, et encore à Paris, près de Saint-Germain, des prêts. La rue du Pré au Clair, parce que c'était là, en effet, que les étudiants se rassemblaient sur le pré pour parler, pour palabrer, pour recevoir les leçons, les écouter, etc., parfois. Alors, le lieu de la longue palabre peut devenir celui de la décision, cette brève déchirure, etc. Pourquoi ? Parce que le pré au clair peut devenir le pré du duel, n'est-ce pas ? Où se produit la décision. Des deux pareils arrivés debout, les deux duellistes. L'un au moins, après un assaut croisé d'armes obliques, demeurera couché, d'abord dessus, puis dessous. Voici donc sur ce pré l'occasion, comme il faut, prématurément, d'en finir. Quand je dis prématurément, ce n'est pas un jeu de mots. Prématurément, ça évoque la maturation. Or, l'herbe n'est pas mûre, n'est-ce pas ? L'herbe du pré est verte, elle n'est pas mûre. Le mot prématurément est employé au plein sens du mot. Messieurs les typographes,
tirez donc ici, je vous prie, le trait final. Puis dessous, sans le moindre interligne, couchez mon nom. Pris dans le bas de casse, naturellement. Le bas de casse, c'est la partie du placard où on range les caractères, où se trouvent les caractères qui ne sont pas des capitales, des majuscules. Pris dans le bas de casse, naturellement. Sauf les initiales, bien sûr, puisque ce sont aussi celles du fenouil et de la prêle qui demain croîtront dessus. Fenouil, prêle, Francis Ponge.